Bah, normalement, j'essaie d'éviter de dépasser 40 minutes, mais je me dis. Attendez. Ouais, voilà. Normalement, de mémoire, c'est la dernière mission en fait de cet acte. Enfin, de cette séquence 7. Donc, on va la faire. Parce que, ouais. Je suis gentil avec vous, j'ai envie de me replonger dans cette histoire. Vraiment, je trouve l'histoire vraiment géniale. Après tout, moi, il a bon goût, hein. Choisir cette personne-là. Non, plus sérieusement. On va faire encore cette séquence-là, même si F2 sera longue. Dites-vous que c'est une petite vidéo un peu particulière. Mais je. D'habitude, je suis un gros salaud parce que je coupe en plein milieu des moments intéressants. Mais cette fois-ci, non, on va aller jusqu'au bout de cette séquence. Enfin, on va faire encore cette mémoire. On va essayer de trouver ce meurtrier. Et on s'arrêtera. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. On va couper la cloche d'air pour éviter d'être dérangé par les gardes au cas où. Lui là, ça m'inquiète. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Mais on dirait que les deux petits loulous sont encore amoureux l'un de l'autre. En fait, j'ai dit non, 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 parce que si vous avez fait... C'est là en fait où on a rejoint la confrérie en passant par ce bâtiment là. Pour ceux qui s'en rappellent. Pour ça, il dit non, 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 quand même pas. Juste pour foutre un petit coup de pression. Après, rien n'empêche, c'est peut-être bien l'un des nôtres qui l'a assassiné. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bellec? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf, Monteregioni, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois... On s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation. Mais une armée. Et dans une armée... Pactisée avec l'ennemi,
revient à trahir. Mais non. Je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek. Tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Belek, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas! Tu n'es que pauvre merde sans cervelle! Oui, c'est ce qu'on dit. Des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Je n'ai rien. Reste où tu es. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Attention! Alors, maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek, tu me remercieras un jour. J'ai laissé ta chance, merde. J'ai laissé ta chance. Tu aurais mieux fait de m'écouter. Tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merdeux? T'as fait tomber ça. Eh bien.
soit maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données séquences d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. Je pense que c'était prévisible, je pense, ce combat. Je pense que vous... On se retrouve de l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé prévisible, ce combat, quoi. L'élève contre maître. Enfin, prévisible dans l'idée de qui on allait affronter dans la confrérie. Après, par contre... Et nous y revoilà, en plein chaos de codes endommagés. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. C'est soit un Panzer... Ça ressemble à un Panzer 2. Non, je ne suis pas doué en... En charge secondaire mondiale. Eh, il faut monter tout en haut. Ok, c'est comme l'autre fois. Ne traîne pas en route. Les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu dois trouver une issue. Je vais faire de mon mieux pour te guider. Par contre, ça nous montre bien une chose. C'est ce que j'ai essayé. Le plus important, c'est de suivre son cœur. C'est trop beau. Clairement, c'est ce qu'il a fait depuis le début, Arnaud. Par contre, c'est peut-être quel côté qu'il faut passer. Ou bah, tombe-moi là-bas. D'accord, on se prend un avion dans les dents.
C'est-à-dire ne pas aller sur le côté gauche. Voilà. C'est un BF-109, pour ceux qui s'intéressent. Comme chat, comme avion. Là, voilà ton issue. Fais vite. Ces idées de failles, je trouve que c'est une idée très intéressante. Ça me permet. Ça nous montre en fait plein de possibilités d'évolution de la série Assassin's Creed Unity. Enfin, de la série Assassin's Creed. Par contre, j'ai un reproche à faire justement par rapport à ça. C'est que ça casse l'ambiance. Après, je suis peut-être vieux jeu, voilà. Moi, je préfère avoir une histoire complète où on passe ben, que dans le temps d'Arnaud. Après, c'est un avis personnel. Voilà. Voilà. Mais bon, ça nous laisse de belles idées d'avenir pour cette série, en tout cas, si... Si les épisodes sont tous aussi bons qu'Assassin's Creed Unity, je peux vous promettre que cette saga sera juste magnifique. Elle est déjà magnifique. Mais elle sera encore bien plus. S'occupe du premier, ensuite du deuxième. À la différence avec les FPS, le simple fait de laisser le viseur dessus tirer suffit pour détruire la cible. Vous n'avez pas anticipé ses mouvements. Ce qui est bien pour nous faciliter pour une fois. Et ça va nous permettre de nous débloquer d'autres failles. Hélix, c'est un fervent. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Bon sang, il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Ça devrait faire l'affaire, tu vas devoir sauter. Parfait. Bon, vu la durée de cette vidéo, je vois découper en deux parties. Voilà, c'est... Elle fait bientôt une heure, donc vous aurez le droit à deux parties, exceptionnellement. D'habitude, je prévois le coup, mais bon, voilà, ça arrive. À moins que vous vouliez regarder une vidéo d'une heure, mais bon, ça m'étonnerait. Je vais mettre deux parties de 30 minutes, ça sera plus facile et moins lourd à digérer et à regarder. Donc les failles Hélix qu'on vient de débloquer pour justement ce secteur là, je les ferai de mon côté, hein. Je me ferai plaisir de mon côté. Et nous sommes de retour.
Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, hey, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Par ici! Par ici! Eh, je suis là, l'ami! Viens, te dis-je! À ce trouble ayant agité le palais des... Toujours chiant ces conseils, j'aimerais bien les virer. Les Turiens semblent chasser une démarche pressante, décider de suspendre le roi, il vous donne une bonne garde de temple. Si vous voulez, attendez, je vais vous montrer, voilà. Regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Étrange manière. Pas besoin d'être Lavoisier pour comprendre. Merci. Voilà. Donc, de nouvelles failles Helix ont été ouvertes. Attendez, faut juste que je retrouve dans le secteur où ils ont été. Ça, c'est les premières failles Helix qu'on a eues. Tabé époque de Paris. Les secondes failles d'Helix, elles sont. Donc, quartier nord, je crois. Voilà, bah ils sont là. Ça, c'est une nouvelle faille X de l'occupation de Paris. Donc, que je ferai hors vidéo pour pas ben, vous déranger avec ça. C'est toujours le même principe que dans les premières failles. Hein. C'est long, fastidieux et totalement inutile pour l'histoire. Donc, que des bonnes raisons pour vous montrer. Mais vu que je vais couper cette vidéo en deux parties, hein. On va se permettre de se prendre un tout petit peu de temps pour vous montrer la nouvelle tenue qu'on a débloquée. Edouard, Ezio, ça vous dit quelque chose, je pense, cette tenue-là. Tenue de Shay. Et tenue de Beyek qu'on peut mettre, enfin qu'on peut porter si on veut maintenant. Et je vais vous montrer la lettre qu'on a récupérée. Je crois, de mémoire, quand on lance cette partie-là, on a une nouvelle lettre. Ah ben, je me suis. Mon cher Arnaud, je t'avoue que je ne sais par où commencer. J'ai été heureuse de te revoir, Sonnecreux. C'est un néant, incapable de transcrire la force des sentiments qui m'assaillent. Et pourtant, je suis heureuse. Heureuse que les assassins ne t'aient pas entièrement transformé. J'imagine que je ne devrais pas m'en étonner. Tu ne t'es jamais laissé facilement éblouir. Il semble que nos quêtes respectives visant à retrouver le meurtrier de mon père soient toutes deux dans l'impasse. Ensemble, peut-être pourrons-nous accomplir ce qu'aucun de nous n'est parvenu à réaliser seul. Il m'est agréable de penser qu'après tout ce temps, nous restons toujours plus forts ensemble que séparés. Bien à toi, Élise. Oh Arnaud, qu'as-tu fait? Je sais que nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleurs termes, mais rejoindre les assassins. Mon père ne t'a pas tenu éloigné d'eux sans raison. Leur credo est comme le vin, surprenant et agréable à la première gorgée. À petite quantité, il fait paraître la vie plus supportable, mais avec chaque nouvelle dose, il te plonge dans la folie et l'anarchie. Nul doute qu'ils t'ont déjà empli le crâne de terribles récits au sujet des Templiers. Nous ne cherchons qu'à servir l'humanité et à placer la terre entière sous notre coupe. Tu connaissais mon père, et tu me connais. Je ne peux qu'espérer que cela suffise à te faire rejeter ces mensonges. Mon ordre s'est retourné contre moi, et je me retrouve traqué par ceux que je pensais être mes amis. Si tu m'abandonnais aussi, je ne m'en remettrais pas. Pense à moi, et veille sur toi. Élise. Paris, 23 septembre 17... Oh Arnaud, qu'as-tu fait? Donc, excusez-moi, la deuxième, je voudrais m'excuser, la deuxième lettre aurait dû être lue avant la première, en fait. Confrérie. Je n'ai jamais pu persuader son père de m'emmener à Paris. Je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus à ça. Hein. Bon, je vais vous montrer les nouveaux trophées, voir. On a. Là, c'est pour ceux que vous
qui s'en fiche totalement, vous pouvez quitter, hein, on a fini l'émission pour aujourd'hui. C'est pas une prouesse que je voulais faire, moi, c'était... Ça, on les a déjà vus, je vais remonter les épingles empoisonnées. Saint-Germain. Arme d'église. Buste de Bayek. Et on s'approche de la fin du jeu. Et on débloque, voilà ce qu'on débloque en fait à chaque fois qu'on remplit une faille Elix, on débloquera des récompenses. Voilà. Donc j'espère passer un grand moment en ma compagnie à travers ces deux épisodes, deux vidéos, enfin une vidéo mais bon que je découperai en deux comme j'ai précisé. Quoi qu'en soit, je vous dis à une prochaine fois, d'ici à porte bien, et à ciao tout le monde. Enfin, presque à ciao tout le monde. Si jamais quelqu'un sait comment on peut modifier ma page des touches d'une manette sur ce jeu, je vous en serais très reconnaissant. Si vous modifiez un fichier du jeu, ça me dérange pas. Dites-moi manette de comment faire, je la modifie. Hein, c'est... Mais bon, ouais, je ne sais pas comment... Comment je peux m'en sortir? J'aimerais jouer avec une manette parce que le jeu est plus est mieux sur avec une manette qu'avec un clavier, ça je vais pas vous mentir. Mais bon. Ça on avisera bien plus tard. Je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien et à ciao tout le monde. Et encore merci de m'avoir regardé pendant ces deux vidéos. Pendant ces 7 heures, si vous avez regardé entièrement, je vous félicite. Enfin, cette vidéo, ouais, je la mettrai en deux parties, ça sera mieux pour vous. À une prochaine fois et portez-vous bien. Surtout, écoutez votre cœur comme m'a fait Arnaud.